Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième édition de notre FDA, la fameuse figurine des abonnés, la figurine pour laquelle vous avez voté le mois dernier. Alors, je voulais vous dire un grand merci puisque cette figurine en l'occurrence est une des toutes premières que nous avons imprimées quand on a reçu notre imprimante 3D. Et ça va donc faire depuis Noël en finale qu'elle est imprimée, qu'elle trône sur l'étagère et que j'avais encore pas trouvé le temps de la peindre. Donc merci beaucoup à tous, ça m'a vraiment fait très très plaisir de la peindre. Et du coup, si vous voulez savoir comment elle a été peinte, suivez le guide. Je vais commencer par peindre la peau de ma tortue avec une peinture diluée à peu près à 50%, donc qui va marquer un petit peu, et je vais vraiment n'en passer qu'une seule couche. Comme ça, il y aura deux bases à quelques différences de nuances. On va ensuite venir apporter un petit peu de lumière avec une teinte légèrement plus claire, mais surtout dans laquelle il y a quand même beaucoup plus de jaune. Donc ça va apporter à la fois un petit peu de contraste et surtout de la lumière sur les endroits que l'on va travailler. Donc je vais me concentrer sur le pourtour de la bouche en venant créer des stries. Je vais ensuite détourer chacune de ces écailles. Alors vous voyez, hein, c'est un détourage assez grossier. Je ne me prends pas la tête ici à faire un beau lignage bien fin. Comme on est sur deux teintes qui sont relativement similaires et qu'en plus celle-ci est particulièrement diluée, elles vont vraiment se fondre l'une dans l'autre pour créer un joli dégradé au final une fois que ce sera sec. Donc faut pas oublier que la peinture elle fonce toujours en séchant. Donc là elle a l'air d'être un peu flashy, mais on va vraiment obtenir quelque chose de très peu nuancé. On va en appliquer également au niveau de la gorge de la figurine pour marquer tous les plis. Je vais venir répéter l'opération avec une teinte encore plus claire, toujours en créant des stries au niveau de sa bouche. Mon but ici, c'était vraiment de créer une vieille tortue qui avait vécu pas mal d'aventures, donc c'est pour ça que je suis partie sur ce type de couleur. Ça me permettra de travailler par la suite avec des glacis pour lui apporter le côté vieilli dont j'ai envie. Donc on va encore une fois s'occuper des écailles, on va faire par contre ce coup-ci un lignage un peu plus fin en se concentrant que sur certaines parties de nos écailles. Tout comme pour le pourtour de sa bouche, je vais venir créer quelques stries au niveau de la partie supérieure de son museau. Je vous parlais de glacis, les voici. On va commencer avec un premier, avec une teinte un peu beige rosé, que l'on va appliquer par-dessus les stries que l'on a créées au niveau de sa bouche et au niveau de sa gorge.
et j'en applique également au niveau de ses yeux. Et on va continuer avec un glacis de rose que l'on va appliquer sur des zones plus restreintes que précédemment. Ça va avoir l'avantage de vraiment bien faire ressortir l'ensemble. Et je vais en appliquer un petit peu plus au niveau de ces cicatrices pour bien les marquer. J'en applique là encore au niveau de ses yeux, sans oublier le bout de son nez. On va venir apporter quelques petites touches de lumière en venant appliquer différents points ou stries sur les parties rosées que l'on vient de terminer. Sans oublier ni ses yeux, ni les parties au niveau de sa gorge. Et pour mieux faire ressortir ce qu'on vient de faire, je vais venir réombrer certaines zones. Donc surtout au niveau de sa gorge. Et les parties entre ces écailles. On va maintenant s'attaquer à ses yeux et je voulais vraiment faire quelque chose de très très simple mais à la fois très expressif qui lui donne vraiment un regard de vieille tortue sage qui en a vu des vertes et des pas mûres. Donc on va tout simplement appliquer du noir sur le fond de son œil. Avant de venir y apposer un petit point de blanc dans la partie supérieure. C'est tout simple, mais c'est hyper efficace. Ça lui donne vraiment un regard à la fois triste et pensif. On va maintenant s'attaquer à sa carapace et je vais partir sur des couleurs qui vont trancher un petit peu avec la peau de notre tortue, mais à la fois qui sont assez naturelles. Donc je vais venir appliquer la première, avant qu'elle sèche en frais dans frais, donc on va venir appliquer la seconde. Et je vais surtout appliquer la seconde aux endroits où la lumière est la plus présente. Ça va permettre, là encore une fois, de créer un joli dégradé naturel et doux. Toujours avant que ça sèche, je vais venir apposer différentes teintes de peinture contraste. On va venir déposer des petits points et que l'on va venir estomper par la suite avec une petite brosse, histoire de les fondre les unes aux autres, mais surtout avec nos teintes précédentes qui ne sont toujours pas sèches. Donc. Et ça va vraiment reproduire un petit peu l'effet des vraies carapaces de tortue. Donc je les applique aléatoirement l'une et l'autre et je viens les estomper par la suite.
Je vais venir ensuite appliquer un brossage à sec, à la fois pour mettre en lumière certaines parties, mais aussi pour vieillir un petit peu la carapace. On va répéter l'opération, toujours avec des teintes de plus en plus claires, pour obtenir quelque chose de très lumineux. Pour sa carapace ventrale, je suis vraiment partie sur quelque chose de beaucoup plus clair. Je voulais que cette partie-ci soit un peu plus discrète pour que le regard soit vraiment attiré par le visage, on va dire, de notre tortue. Donc un petit lignage avec une couleur encore plus claire pour mettre chaque plaque de carapace en valeur. On va également venir détourer chaque petit trou, chaque petite blessure et en rajouter certaines pour donner un petit peu de cachet à l'ensemble. On vient donc tracer des lignes un petit peu aléatoirement pour créer comme des griffes sur sa carapace. Et on va maintenant s'attaquer à sa cordelette que j'ai voulu faire dans des tons de violet pour contraster un petit peu avec le reste de mes couleurs. Et une fois que notre couche de base sera sèche, je vais venir retravailler chaque brin de cette cordelette avec des violets de plus en plus clairs. Donc on commence par en appliquer sur une zone assez importante de la cordelette, et plus on avance dans les éclaircies, plus la zone que l'on travaille sera donc restreinte. Et quand on en arrive au dernier éclaircissement, on ne dépose quasiment plus qu'un tout petit point de peinture sur notre cordelette. Une fois que la cordelette est finie, je viens m'attaquer aux grosses perles qu'il a autour du cou. Ces perles, elles m'ont pas mal posé problème entre guillemets. J'avais vraiment pas trop d'idées sur comment les peindre, donc au final je suis partie sur quelque chose d'assez neutre, un petit peu passe-partout entre guillemets, mais qui prend pas le dessus sur le reste de la figurine, mais qui la gâche pas non plus. Donc c'est pour ça qu'on va venir faire un fond avec du noir. Là encore, je ne vais pas forcément faire quelque chose de très régulier puisque vous voyez, je viens réappliquer mon pinceau pour donner une petite texture sur l'ensemble des pierres. Je voulais faire un peu pierre volcanique. Donc du coup, c'est vrai que si la couche n'est pas parfaitement homogène, c'est pas grave du tout.
et une fois que notre noir sera sec, je vais venir remplir chaque motif avec du blanc. Donc je prends un pinceau quand même assez fin. Malheureusement, ça n'empêche pas forcément de déborder. Donc si ça vous arrive, venez vite ressuyer les bords avec le doigt, comme ici. Et même si le blanc se dépose un petit peu du coup sur le reste de la perle, aux étapes précédentes, on va venir retravailler chacune de ces spirales. Et donc ça aura un petit effet un petit peu lumineux, incandescent, qui apportera vraiment quelque chose en plus à la figurine. Donc ça a peut-être été l'étape sincèrement la plus longue, repasser chaque petite spirale avec le blanc. Et on va donc pouvoir maintenant venir les peindre. Donc pour les trois quarts d'entre elles, je vais venir les peindre avec un jaune orangé pour rester en harmonie avec le reste de la figurine. Et les deux dernières que j'ai réservées, hein, celles qui sont sur le devant, je vais venir les peindre avec un des violets qui m'a servi à faire les éclaircissements de la cordelette. Et comme vous voyez, là aussi, si ça dépasse un petit peu du blanc, c'est pas grave, vous venez ressuyer au doigt et ça va apporter un petit effet supplémentaire. Et donc vous voyez, hein, pour gagner un petit peu de temps, je préfère venir déborder et ressuyer ensuite avec le doigt plutôt que de viser pile poil dans mes stries. Et pour rester dans cet esprit de pierre de lave, je vais venir tapoter sur toutes mes parties noires des gris de plus en plus clairs. Donc je ne vais pas aller jusqu'au blanc non plus, parce que je ne veux vraiment pas qu'elle prenne le dessus sur le reste de la figurine. En revanche, ma teinte de gris la plus claire, je ne vais l'appliquer que sur le dessus des perles. Et enfin, on va venir s'attaquer à son deuxième collier de perles. Et pour l'occasion, j'ai choisi un orange assez vif, un peu terracotta, pour vraiment contraster avec ce vert et ce violet. Donc, je vais venir passer à chaque fois plusieurs couches de chaque éclaircissement, parce que je travaille avec des couleurs assez diluées pour encore une fois obtenir des transitions assez douces. Et comme d'habitude, plus on va, et comme d'habitude, plus les éclaircies se rapprochent du blanc. Et comme à chaque fois, plus on avance dans nos éclaircies, plus on les applique sur des zones restreintes. Et voilà donc notre buste complètement terminé. Alors comme je vous disais au tout début de la vidéo, ce buste, ça fait vraiment partie des toutes premières figurines qu'on a imprimées. Donc ça faisait à peu près 6 mois qu'il était sur mon étagère, qui m'attendait, qui m'appelait régulièrement, peins-moi, peins-moi. Et franchement, ben j'avais pas d'idée. Il me plaisait énormément, mais je savais vraiment pas comment le peindre. De voir que cette figurine vous plaisait également à vous, ça m'a vraiment encore plus donné envie de la peindre. Je suis vraiment contente que vous ayez voté pour ce buste. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura donné plein d'idées. Encore une fois, merci à tous pour vos votes.
que ce soit pour ce mois-ci ou pour les autres. C'est vraiment super de voir tous vos votes, tous vos petits messages pour CFDA. C'est vraiment un super moment pour nous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.